Parlons d'énergie renouvelable avec le projet SECO. Le projet accompagné par la coopération allemande vise à donner une formation aux étudiants et aux entreprises sur la gestion des ressources énergétiques. Le projet SECO a été présenté au cours d'un séminaire. Les détails dans cet élément signé Sandrine Kwami. Soutenir, interpeller et sensibiliser les entreprises et étudiants dans l'utilisation efficace et durable des énergies et matériels énergétiques, tel est l'objectif qui a animé le deuxième séminaire sur le projet SECO organisé par l'Université d'Anguillabrogrois en partenariat avec l'Université allemande. Ici, les entreprises, étudiants, enseignants et initiateurs présents à cette rencontre ont discuté sur le bilan de la première vague du projet, notamment de ce qui a été appris aux entreprises participantes tout le long du projet, de la gestion des ressources qu'elles ont pu implanter ainsi que des résultats obtenus. Le projet SECO, c'était un sous-projet du projet IDES qui lui-même est censé former des étudiants de façon pratique par la méthode de l'alternance. Et donc, le projet SECO est un sous-projet de ce projet qui, lui, a pour objectif de sensibiliser les entreprises sur l'usage durable des ressources. Nous avons des partenaires d'entreprises, des entreprises partenaires qui nous soutiennent dans ce projet. Un projet accompagné par la coopération allemande qui prend actuellement en charge 10 étudiants, dont 5 filles et 5 garçons. C'est la suite de la coopération avec les Allemands. Parce que aujourd'hui, nul n'est censé savoir que les énergies constituent une partie importante. Vous savez, avec les COP qui se passent aujourd'hui dans le monde entier. Et les ressources aujourd'hui sont mal exploitées. Il y a beaucoup de gaspillage et donc c'est l'occasion d'interpeller et de soutenir les entreprises. Rappelons que le premier séminaire s'est tenu le jeudi 15 juin 2023. Il avait été question d'inviter les entreprises ivoiriennes à manifester leur intérêt afin de permettre à celles-ci de bénéficier gratuitement de cette formation dispensée par ces experts en collaboration avec leurs partenaires allemands.